Bonjour à tous et à toutes. Ici Amidou, The Gamer du 76. On se retrouve sur Resident Evil Village, encore une fois, oui, pour une annonce de live stream à partir de 19h, car vous savez que les possesseurs de PS4 et de PS5 auront un accès anticipé à la démo jouable de Resident Evil 8. Donc, on va pouvoir arpenter le village librement, mais pendant 30 minutes maximum après la démo jouable s'éteindra. Donc, est-ce qu'on pourra refaire une autre session? Je ne sais pas. Si c'est le cas, on va en profiter. Sinon, tant pis, on fera une seule session. On va essayer de faire ça un maximum de temps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le showcase s'est passé dans la semaine. Si vous voulez revoir le replay du showcase, vous allez dans la section des vidéos. Hein, vous pourrez regarder ça. Et il y a aussi le live de la chaîne aussi par rapport à cela. Et puis il y a aussi un time code pour accéder directement au showcase de Capcom. Voilà, le rendez-vous est pris ce soir à 19h sur la chaîne. Bon, ça sera sur la PS4. Normalement, c'est pas une démo night, donc normalement, ça devrait être propre, hein, voilà, à proprement parler, au niveau graphisme et tout ça, hein, voilà, le retour. Donc, voilà, on va découvrir ensemble ce que c'est ce jeu. J'espère que je ne serai pas déçu, parce que au fur et à mesure des gameplays et tout ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu du copier-coller sur Resident Evil 4 avec un petit peu du Resident Evil 7. Donc, j'espère vraiment qu'on ne sera pas déçu, et en même temps, pendant ce live-là, je vous annoncerai quand même des lives que je pourrais faire dans la semaine, possiblement. Et aussi, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Allez, il reste encore quelques petites places pour qu'on arrive aux 1000 abonnés. 5, 6, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on aura franchi le cap des 1000 abonnés en un an et demi de la chaîne. Franchement, c'est un truc de dingue. Ça va très, très vite. Je remercie de tout le soutien de tous les abonnés, des abonnés fidèles et des nouveaux venus. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, la petite cloche de notification, pour ne pas rater le live stream de ce soir sur la PS4. Allez, je vous laisse, je vous dis à ce soir, les amis.